Pourquoi ma coupe est-elle vide? Peut-être parce que tu as vidé le tonneau. Maudit Birstan. Ta maison est aussi mal tenue que ses terres. Estrid est une bonne épouse. Il ne la mérite pas. Tu peux parler, Edred. Ta femme n'est qu'une truie en jupon. Ma souhaiteronne est une femme d'honneur, Saligo. Et elle trouve de belles recettes. Elle trouve surtout les truffes. Birstan ferait bien de revenir vite s'il ne veut pas voir autre chose que du vin sur son sol. Allons, mes amis, cette attente est une épreuve pour nous tous. Tâchons de rester courtois. Seigneur. Ah, un Danois aux allures héroïques. Je cherche Birstan, l'Eldorman de ce comté. Notre seigneur n'est pas chez lui, mais sa femme reçoit les visiteurs à l'étage, selon ses habitudes. Si tu vas la voir, dis-lui qu'on manque de bière. Les vassaux de Birstan vous... Toi, un seul de mes cris et les gardes accourront. Range ta lame, madame. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Ici à la demande de ton époux. Encore un Danois. Je suis Estrid, la femme du seigneur de l'Essex. Comme tu le sais peut-être, mon époux n'est pas chez lui. J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher ou on l'a enlevé. Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ses affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurai lui rappeler ses devoirs. Oh, ce serait un miracle. Son lieu de chasse favori est au sud-ouest. La bruyère qui y pousse attire les proies, prétend-il. Avec de la chance, aucune ne l'aura mangé. Quoi qu'il en soit, je reviendrai. Pourquoi ces geignements? Nous sommes un groupe de bardes, en avance sur notre temps, des prodiges musicaux. Mais le fou qui s'est proclamé évêque des ruines est notre pire critique. Il nous appelle les cornemuses du diable. Cet étrange instrument fait de peau et d'os, il siffle et geint comme une vieille femme. Ces condamnations éloignent notre public. Tout ce que nous voulons, c'est divertir cette génération oubliée. Une noble tâche. Peut-être faut-il le convaincre de votre talent. Tu y serais prêt? Oh, tu aimes la belle musique, c'est sûrement un bon présage. Renoncez à vos perversions avant que le seigneur des mouches vous emporte. Je suis devenu ce que je suis. Pourquoi ne pas le laisser jouer? Cela fait plaisir à la population. La musique est une activité diabolique, néfaste et profane. Moi, l'évêque des ruines, je m'y oppose. Évêque des ruines? C'est un titre que tu tiens d'Elfred?
Non, du Seigneur. Il m'a parlé alors que j'urinais sur des cailloux, une nuit. Je suis son instrument contre la musique du diable. Alors sache que je ne suis pas de ton avis. Ça se nomme Enoptime. Je promets. Et sa monde il nous a rendu un grand service. Je vais commencer à immortaliser cette journée. Adieu. Continuez à créer de joyeuses harmonies. Cogne l'évêque! Cogne l'évêque! Chasser est agréable, mais espérons que l'Elderman n'est pas devenu la proie. Un camp ensanglanté n'annonce rien de bon. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièces par une bête de grande taille. Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Imposante a laissé ses traces dans les herbes. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Birstan est toujours en vie. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Birstan ? Saisis ton arme ! Encore, les bêtes feront ripaille ! Voilà un Saxon que tu ne tueras pas. Où en étais-je? Voilà qui fouette le sang. Va bien, l'ami. Sans toi, je n'aurais pas survécu à cette embuscade. À ma gratitude. Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les saints qui t'envoient? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thanes de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non, ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Birstan, quelle fin! Oxy par un ours. Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place. Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cales. Alors, qui es-tu? Un mercenaire? Un homme du Nord. Et je me moque de l'argent. Tu m'intrigues. Pour nous, Saxons, Danois et gens du Nord sont des barbares féroces et cruels, sans esprit ni subtilité. Mais attends, c'est à toi que j'ai fait porter un message? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui. Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête.